to shine. La raison pour laquelle tu as arrangé cette promesse, c'est pour que tu pries. Tell somebody next to you, it's my time to shine. Dis à ton voisin, c'est mon tour de prier. I want you to say it loudly. It's my time to shine. C'est mon tour de prier. You believe that you need. You are shining, you are blessed in Jesus' name. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. It's time for us to introduce the men of God and the women of God in our. Ça c'est le moment pour introduire les hommes et les femmes de Dieu parmi nous. We are going to call on our brother, our pastor. Donc nous allons appeler notre pasteur. Our apostle. Notre apôtre. The person of apostle Isaac. Notre apôtre Isaac. I want to tell somebody. Ce soir, this evening, c'est sa soirée. Et soirée venue. Si tu étais entré, ça va être une malédiction quelqu'un. If you came here with a curse, tu sortiras de ce lieu béni. You will leave this place blessed. Si y avait une malédiction dans ta prospérité, if you have a baby, if there was a curse in your marriage, if there was a curse in your marriage, business, if there was a curse in your business, tu sortiras de ce lieu béni. You will leave this area blessed. Nous sommes honorés par les hommes de Dieu. We are honored. We are here honored with the men of God. Mérite double honneur. And a very double honor. J'ai 5 minutes pour les présenter. I just have 5 minutes to present them. Alléluia. Alléluia. Nous sommes honorés par la présence. We are honored. De Pasteur Williams. By the presence of Pastor Williams. I want you to position yourself for today. That's a good one. We are going to share the point of the Amen. Je suis venu avec une grande délégation. I came with a very big delegation. Les hommes de Dieu venaient du Rabat. Men of God right from Rabat. Tous les Congolais, nous marchons avec unité. Us, the Congolese, we walk in unity. Ils voulaient venir. All of them wanted to be here. Alléluia. Alléluia. I said no, we are going to limit. Hallelujah. So we will not come. The lovely brothers in the Lord, let me tell you something. Here in Africa, there are two people that are very strong. They are very strong. That God has got to bring them. And when that moment will come, where America, Europe, will be evangelized by African people. That is a prophecy. That is the promise. God has visited the Congolese. God has visited the Nigerians. That will come today. So the fire of revolution. We are imposing fire. Whether they want it or not, the word of God will preach in this nation for you. Whether they want it or not, the word of God. We are going to honor it. Artisans du réveil. We are blessed. We are full les of gens qui are libres de faire notre nom. Presse de l'autre. Les généraux de Dieu. We are generous of God. Que toi tu dors, ils se mettent dans le champ de prière. They are there praying for you. Presse de l'autre. Praise the Lord. Les gens qui sont les ambassadeurs du Christ sur la terre au Maroc. They are the ambassadors of Christ here in Morocco. Nous sommes honorés par la présence. We are honored with the presence Pasteur Guy. Of Pastor Guy. Il s'élève. Il va prononcer un mot pour la parole. He's going to pronounce the words. Alléluia, alléluia. Mais God bless all of you. Soyez tous bénis, Jesus' name. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Nous sommes honorés par la présence d'un prophète. We are so honored with the presence of a prophet. C'est un prophète de Dieu. He's a prophet of God. Dans notre association des pasteurs, in our pastor association, nous avons un prophète. We have a prophet. C'est le prophète Griffy. He's a prophet Griffy. Alors, prenez pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu puisse rayonner ton visage. Amen. Comme l'étoile brillante du matin. Okay, Lord, we shine your face under the standard in your hand. Cette soirée. And this evening. Que Dieu te visite. And God will visit you. Amen. And you will be blessed in Jesus' name. Nous sommes honorés. We are as well honored. Avec notre pasteur. We have another pastor. Le pasteur David Faya. Il est pasteur de Kinshasa. De Kinshasa. Il est avant de prendre le d'aujourd'hui. Is from Kinshasa. Vous allez écouter Dieu au travers de cet homme. So you are going to see God through him. I said you are blessed. We are going to see you.
There is another pastor. Right at the end of Salem. Il allume le feu. He ignites fire there. Pastor Papi. It's Pastor Papi. Il se lève pour bénir le peuple de Dieu. He wants to bless the people of God. Hallelujah. Hallelujah. Il était d'Abraham. That is God of Abraham. The God of Isaac, and the God of Jacob, and the God that was, and the God that is, and the God that is going to be, and the God that is going to be, is going to Jesus' name. Yes, the Lord. Amen. Nous avons l'homme de la louange. We have the man of praise. Pour chanter pour la gloire de Dieu. The man that always sings to the glory of God. Voilà, tu fais souffrir les Nigériens. I say, oh, you always suffer the Nigerians. Pour d'un coup chanter. Let me have the microphone to sing. People will never like to stop. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit, the Bible says, je n'ai jamais vu quelqu'un. I have never seen somebody passer sur la croix. Who is singing to the glory? Il se révèle. And his life remained the same. I have never seen quelqu'un, somebody, rencontrer Christ. So he has seen this and his life remains the same. Je crois. And our glory. Jesus is among us today, and he is to change your life. That's why I want to say to this, that God bless you. Hallelujah. Yes, the Lord. Yes, the Lord. Que je ne peux pas oublier. It's just remaining just one person that I will not forget. And you know him very well. Pastor Matiaka, come on. And it's Pastor Matiaka. Jesus, 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 Jes
going to change your case to bless you tonight. Dis à Dieu. Tell God. Je sentirai ce cœur. I will leave this place. Sacrifice de l'émission. With my blessings. Because of God. So tell God. Il avait dit. Because he said. Je ne te laisserai pas partir. He is agreeable pour les frères et sœurs. My brothers and sisters, de demeurer ensemble. Please, let's be together. Car c'est là, because it's where que l'Éternel envoie la bénédiction. It's where God will send his blessing. La vie, life, pour l'éternité. For eternity. Tu es au bon endroit. You are at the right place pour ta bénédiction. For your blessing. C'est pourquoi j'aimerais que tu parles à Dieu. That is why I want you to speak to God. Dis à Dieu. Tell God. Parle-moi ce soir. Speak to me tonight. Parle-moi ce soir. Speak to me tonight. Comme tu vas jamais parler. As you have never spoken to me. Quittez ma maison. Please, I've leave, I left my house. À cet endroit. I came here. C'est pas pour rencontrer un homme. It's not to come and meet a man. Voir un homme qui vient de la Belgique. It's not to come and see somebody that came from Belgium. Toi. But it's to come and meet you, Lord. Qui m'a créé. The God that created me. Tissé dans les profondeurs de la terre. Oh, bro. Lord. Celui qui me connaissait, the one that knew, lorsque je dis encore une masse informe, even when I was in the room, celui qui dans son livre, the man, the one that avait déjà tout écrit, the, his book already said, ce qui le concerne, the one concerning ces choses arrivent, man, before those things happen, je suis là pour que tu me parles, I am here to, that you je suis là pour que tu changes ma destinée, I am here to, that you change je suis là pour que les choses, I am here for many things, qui étaient hier impossibles dans ma vie, I am here that things were impossible yesterday. That it will be possible. À cause de ta parole, because of your word, je suis venu recevoir aujourd'hui. I have come here to see you today. Rien avant ce message. I have come here today. Rien après ce message. Parle-moi ce soir. Speak to me tonight, Lord. Comme tu m'as jamais parlé. As you have never spoken to me. Au devant de ton trône, Seigneur. Amen. Je viens me présenter. Donne-moi la capacité. Give me the capacity. La possibilité. The possibility que je puisse parler de ta part. That I will. Nom de Jésus-Christ, accorde-moi un esprit de révélation. Give me the spirit of revelation. De la connaissance de Dieu que tu es. The knowing of the God that you are. Le ciel de mon cœur. You are the only one in my heart. Ce qui va sortir de ma bouche. The word is going to come out of my mouth. Ma science. Will be. Ma connaissance. Mais ta parole à toi. Pour bénir la vie d'une personne. Et cela dans le nom puissant de Jésus. Non, j'attends quelqu'un qui dit merci, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus Christ. Non, j'attends une personne qui dit merci. Please say thank you, Jesus. Non, j'attends pas une personne qui dit merci. Please, can somebody say thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient là ce soir? Is it someone here today? J'ai envie de faire un service. I want to do a
service. Mais je vais encore te dire que demain nous allons faire cette rêve, ces services. And I want to tell you that tomorrow we'll still do it. Et aujourd'hui, permets que je puisse encore te parler. Permit me to speak to you today. Je puisse encore prêcher la parole de Dieu. Permit me today to preach the word of God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Are you here? Tu es ton voisin. Tu es ton neighbor. Tu as bien fait d'être là. You have done well to be here. Et tu es béni. Are you blessed? Tell your neighbor you are coming to church. Tu es béni d'être là ce soir. Tell your neighbor you are blessed to be here tonight. Dis à ton voisin, tu es béni d'être là ce soir. Tell your neighbor you are blessed to be here tonight. Est-ce que tu peux prophétiser sur la voie de la vie de ton voisin? Can you prophesy on the life of your neighbor? Sois le prophète de ton voisin. Be a prophet de ta voisin. Be a prophet. Devant le chef. Please be seated. Nous sommes en train de parler. We are talking. De la manière dont the ways in which nous devons briser, we can break la malédiction dans nos vies. Every curse in our life. Comment how briser? How can we pray malédiction all cases dans la vie d'une personne? In the life of somebody. Hier nous avions commencé. We started yesterday. Et nous nous sommes introduits dans le message. And we introduced ourselves to the message. Donc définissez quoi la malédiction? We have already defined what is curse. Nous avons dit. And we said que la malédiction, that curse, est le contraire de la bénédiction. Curse is the opposite of blessing. La malédiction, curse, c'est le contraire is de la bénédiction. The opposite of blessing. La vie d'une personne. In the life of somebody, une personne qui est maudite. When somebody is cursed, c'est une personne qui n'a pas la bénédiction. It's somebody that does not have blessing. Dans la Bible, and in the Bible, il y a plusieurs sortes de malédictions. There are too many. There are different types of curses in the Bible. Says, see, the Bible says, Moses, il dit au peuple. I said to the people of Israel, lorsque when tu rentreras dans le pays, when you get into the land, l'Éternel avait promis à tes pères, that the Lord promised to your parents, et tu habiteras de maison que tu n'as pas construit, when you live in the house that you never constructed, don't forget, l'Éternel ton Dieu, don't forget the Lord your God, et il te dit, and he's telling you, observe le commandement de l'Éternel, observe the commandment of the Lord, et je te précise, that I have said to you, que tu sois dans la bénédiction, that you will be blessed. Donc la malédiction arrive dans la vie d'une personne. So when curse comes to the life of somebody, il n'observe pas le commandement de l'Éternel. You will never observe the commandment of the Lord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Are you getting me tonight? Et hier nous avions parlé. And yesterday we said, de quelques personnes. Of we make mention of some voir un prophète. Somebody came and met a prophet. Dans le livre des Rois. Second Kings chapter 2, verset 19 à 25. Verse 19 to 25. La Bible nous parle des anciens de la ville de Jéricho. The Bible was telling us about the elders. Ils sont venus voir the city of Jericho. Le prophète Élisée. They came and met the prophet Elisha. Ils ont dit, and they said, nous avions un problème. We have a problem. Le séjour dans la ville, the days, est agréable. The time the city is good. Nous avons un problème. The city is good, but we have ils a problem. Ils sont dans cette ville. And today in this town, il y a des avortement. There is abortion. Dès qu'une femme tombe enceinte, when a woman is pregnant, cette grossesse, that pregnancy, ne va pas arriver à la maturité. Will never arrive maturity. Elle est obligée de la perdre. So she is forced to do it. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette vie. There is something that is not going well in that life. Nous commençons un projet. Each time we start a project, nous n'arrivons pas à la finir. And we cannot finish it. Non, il y a toujours un problème qui doit arriver. There is toujours something, a problem coming. Quelque chose qui ne va pas. There is something that is not going. This night I want to talk to someone. Regardez ta fille. Examine your life. Il a dit à Dieu. Let me say to God. Sors de moi et connais mon cœur. Save me and you know me and you know my heart. Et connais mes pensées. And you know my thoughts. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. And when I'm taking you back to the voie de l'Éternel. Oh Lord, take me back to the real. Ces gens se sont rendus compte. So, qu'il y avait quelque chose. So they know that there was something. Qui ne valait pas dans leur vie. That was not going on when in their life. Pas normal. It is not normal. Un homme comme toi.
In that a man like you, you have studied, et tu devais dire, oh, wow, and you came to Morocco, tu ne travailles pas, and you don't have a job. Ce n'est pas normal. It is not normal. Normalement, normally, tu devais avoir un travail. You were supposed to have a job. Pas pour rien. Because it's not for nothing. Tes parents t'ont envoyé à l'école. That your parents sent you to school. Ce n'est pas pour rien. It is not for nothing. Tes parents t'ont payé des études. That your parents paid your fees. Un jour, it's not for one day. Tu deviens une personne. That you become somebody. Un jour, it's not one day. Tu diriges des entreprises. Yeah, you become somebody. Un jour, you control these companies. Business. It's not one day. You become a businessman. Un jour, it's not one day. L'aide de Dieu se manifeste dans ta vie. The hand of God will manifest. Tu souffres. Ah, mais il y a des soins. Tu ne fais rien. Ah, il y a des trucs. Ce n'est pas normal. It is not normal. Il faut que tu cherches la solution. You need to change the solution. And for your ce n'est pas normal. It is not normal. Que une femme que tu as créée, avec toute sa beauté, dans la tu n'arrives pas à trouver un mari. You cannot find a husband. Tu te fais tout ce qu'il faut. You have everything that is normal. Maquillage. You have all the everything that is normal. Périque. You have every good thing. Tout ce qu'il faut faire, tu le fais. Mais tu n'as pas de proposant. Mais you don't have people that can. Donc, à chaque fois que tu proposes un homme, each time that you meet a man, c'était des aventuriers. You just et des escrocs. And you want to go along. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. These are some things. Non, je parle à ce soir. I am going to give you such a chance que tu rencontres un homme. Each time that you meet a man, tu demandes un mariage. Now ask your hand man. Mais tu vas attendre. Tomorrow. Il a épousé une autre personne. You realize that non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. These are some things. Et quand tu regardes. Tu n'es pas la seule à vivre cette expérience. Normalement, tu as connu la même chose. Il était marié à ton père, mais il s'est renforcé. Et toi, tu as aussi connu la même chose. Je voudrais te dire, il y a une malédiction dans ta vie. Tu dois être brisé. Parce que la malédiction empêche la bénédiction de la vie d'une personne. C'est un plaisir de recevoir. Il est très important. It is very important. That we brise la malédiction. To prove that yes. La malédiction. That rentre dans la that blessing should come in our life. Je parle à une personne. I'm talking to somebody. Les anciens de la ville de Jéricho. In the elders of the land of Jericho. The land elders in the land of Jericho. Elle a bâti les anciens de la ville de Jéricho. Elders in the land of Jericho. Bien aimé dans le Seigneur. And every brother in the Lord. Cette ville. That city était sous la malédiction. Was under curse. Parce que c'était la première ville. Because it was the first ville. Les enfants d'Israël. That the children of Israel. Devaient prendre. Needed to take. Pour entrer en possession de leur héritage. To get in. Je suis dans le livre de Jéricho chapitre 6. Amen. Je suis dans le livre de Jéricho chapitre 6. Le verset premier. Verse 1. La Bible me dit. Jéricho était barricadé. Jéricho was a Jéricho était fermé. Jéricho was personne ne pouvait rentrer. Personne ne pouvait sortir. Nobody could get out. Jéricho avait bloqué la bénédiction des enfants d'Israël. Jéricho bloqué la bénédiction. C'est alors lorsque le peuple d'Israël a conquis la ville de Jéricho. When they are considered la Bible me dit ceci. Jéricho chapitre 6 verset 25. Jéricho chapitre 6 verset 25. Joshua, l'homme de Dieu, man of God, a maudit la ville. À quelle place? Cette ville. Statistique. Depuis le jour où Joshua avait prononcé ses paroles. Si tu as Joshua, c'est sous la malédiction. And that is the first chose que tu ne marches pas dans ta vie. Il y a des êtres de quelqu'un qui a maudit ta vie. Ce qui est en train de se aussi longtemps ça n'a pas été ôté. Cette malédiction t'empêchera à vivre. Est-ce que je parle à une personne? Non, je parle à une personne. Est-ce que je parle à une personne? La malédiction doit être brisée. La malédiction doit être ôtée. Pour que tu puisses vivre la vie que Dieu avait enlevé dans votre vie. Vous savez, un jour, la Bible me parle de l'ange de l'Éternel. The Bible tells me about an angel of God. À la rencontre d'un homme, qui m'a mené main, qui s'est caché, that contre les Madianites. That was hidden. L'ange de l'Éternel le regarde. The angel of God, il dit, mais ce n'est pas normal. He said, it's not normal. Que cet homme se cache. That this man is so shy. Je connais cet homme. I know this man. Mais je sais ce qui est écrit. I know what is written. En ce qui concerne ce homme, this man. Cet homme se gêne alors. This man is. À ce âge, this man is guilty. Il ne veut pas se cacher derrière. As he says, he didn't want to hide.
allait se cacher. Si the hero that is missing. Oh, oh, fire, oh, oh, what a hero. Oh, il y a des fire, oh, dans cette salle. There are heroes in this show. Il y a des fire, oh, dans cette salle. There are heroes in this show. Allez, se mort. But unfortunately, vous êtes en train de vous cacher. You are hidden yourself. Vous êtes en train de mentir. You are not making pour avoir quelque chose. You are making to have something. Vous êtes en train de vous cacher. Nous prenons le verset 46, verse 46 et nous allons and we agree, jusqu'au verset 53. 46 to 53. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc, le book of Mark, chapitre 10, chapter 10, le verset 46, verse 46 jusqu'au verset 53. To 53. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé? Are you there already? Is somebody there already? Est-ce que tout le monde peut se mettre debout pour la lecture? Please be on your feet for this. Nous allons honorer la parole du Seigneur. We need to honor the word of God. Nous allons honorer la parole. We need to honor the word of God. Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, le verset 46, verse 46 jusqu'au verset 53. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Can we read together? Soit à haute voix. Et let's read together. Alors, j'ai lu le droit. Why don't we read together? Je suis en train de faire
soir. Please be seated. Ils arrivèrent à Jéricho. When they arrived at Jericho, ils sont toujours dans la ville de Jéricho. They are still in the la Bible le dit. The Bible says, Jésus sortait de la ville de Jéricho. Jesus was leaving the city. Je voulais dire à une personne. Jésus est venu dans la ville de Jéricho. Jesus came to the city. Jésus vient dans cette ville. Jesus is coming to the là où les autres prophètes n'iront pas. Where other prophets is Jésus ira. Jesus parce qu'il est Dieu. Because he's God. Et il est venu pour ôter la malédiction. He's come to remove the curse. Dans la ville de Jéricho. Jésus sorti de la ville de Jéricho. On ne peut pas sortir. We cannot leave. Si nous ne sommes pas rentrés. Pour sortir. Nous sommes premièrement rentrés. Donc je vais te dire. Que Jésus est bien rentré dans la ville de Jéricho. Oh, ce soir je vais voir une personne. Qui Jésus est déjà rentré. Il est rentré là où le champ ne pouvait pas rentrer. Et d'un point de vue, il est rentré là où les autres prophètes ne voulaient pas rentrer. Et d'un point de vue, il est rentré là où les autres de Dieu ont menti. Et d'un point de vue, je ne sais pas ce que les autres ont fait dans ta vie. Et je vais te dire, Jésus est rentré dans ta vie. Jésus, il a rencontré un homme. Il m'a dit, cet homme était petit, il est taillé. This man was very small in stature. Il n'avait pas la tête de l'apôtre Esaü. He did not have the head of our apostle. Il était un peu petit. He was very small. Alors comme Jésus, why Jesus était avec lui les foules? Why Jesus was working with cet homme petit? Il m'a dit, il faut que je monte. This man said, I need to climb up a tree. I need to climb a tree. Afin que je puisse voir Jésus. So I can see Jesus. My lovely brothers and sisters, tout ce qu'il faut faire. You need to do everything pour voir Jésus. Jesus. Oh, je ne sais pas. I don't know. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? I don't know. Qu'est-ce ce qu'il faut faire? You need to do pour voir Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Are you here? Abandonner sa dignité. Pour célébrer la divinité de Jésus. Oh, il y a un homme. Mais la Bible m'a dit, il s'appelle Zachée. This man is called Zachée. Il était petit de taille. He was born small. Il avait envie de voir Jésus. He wanted to see. Il était rejeté dans sa société. He was rejected in his à cause de son travail. Because of what he was doing. Il avait besoin de voir Jésus. He needed to see Jesus. Il est monté sur le sycomore. Pour voir Jésus dans sa vie. To do everything to see Jesus today. Et pendant que Jésus rentrait dans la ville de Jéricho, and while Jesus was entering the city of Jericho, Jésus regarde. Jesus looked. Il a vu sur le sycomore. He saw un homme. He saw at that tree a man qui s'appelait Zachée. Who is called Zacchaeus? Il dit descend. He said come down. J'ai besoin d'aller dans ta maison. I need to go to your house. Connaissons l'histoire. We know the story. Aujourd'hui, and today, je suis pas en train de parler de l'entrée de Jésus. I'm not talking the entrance. Je parle de sa sortie. I'm not talking about when he has finished with Zachaeus. When he has finished with Zachaeus. Il est sorti de Jéricho. Accompagné toujours avec ses apôtres. Accompagné de pendant qu'il sortait, il y a un homme. Was a man qui était assis. He was sitting en train de manger. He was sitting parce qu'il était avec. Because he was il était mendiant. Because he was blind. Il le dit. When we say il a entendu. It's not for Zacchaeus. Mais cela c'est pour moi. This is my test. Est-ce que je parle à une personne? This is my test. Oh, est-ce que je parle à une personne? I don't know if I'm doing this. Oh, est-ce que je parle à une personne? Je dis Jésus est en train de sortir. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir.
Il avait raté son entrée. He missed Jesus' entry. Mais il a dit, je ne veux pas rater sa sortie. He said, I will never miss Jesus coming out. C'était la dernière fois. This is the last chance. Je suis rentré sorti de la ville de Jéricho. This is the last time. Jesus' entry has given the land of Jericho. Plus jamais tu le verras. So if I miss it today, c'est pas mal décidé. But this man decided. Je suis. C'est aveugle. Jesus. Je ne vois pas. Jesus. Mais j'ai entendu. I don't see, but I'm here. Je suis. Jesus. Et en train de sortir. And Jesus is leaving. La ville de Jéricho. The land of Jericho. Alléluia. Cet homme n'avait pas des yeux pour voir. This man don't have his eyes. Il était avec. The Bible says he was blind. Il était Bartimé. He was Bartimé. The blind Bartimé. The blind Bartimé. Mancha avec. Begging. Était assis au bord de son chemin. A begging blind man. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Quand il a entendu. When he heard. Jésus est en train de sortir. Jesus is leaving. Cet homme s'est levé. This man stood up. Il a commencé à crier. He started shouting. Il a commencé à crier. He started shouting. Oh non, je disais.
son nom David. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Mais les gens qui étaient là, and the people that were there, ils ont commencé à l'empêcher. They started to block him. Non, ils ont dit arrête d'importuner le maître. They said stop disturbing our teacher. Mais c'est ton. But this man, au fur et à mesure qu'on les interdisait, in as much as they were disturbing him, they were blocking him not to see Jesus. That was when he shouted them off. Si ta prière jusqu'à là, if your prayer n'a pas encore dérangé ton passé, if your prayer and prayer right up to now have not disturbed your passé, it's not about God. It means that you have not getting it. It's like you're not getting me. Si ta prière, if your prayer n'a pas encore dérangé ton voisin, if your prayer, tu n'as pas encore prié. If your prayer has not disturbed your prayer, if your prayer has not dérangé les sorciers, if your prayer has not disturbed your passé, vous êtes en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Si ta prière, if your prayer n'a pas encore dérangé, if your prayer soit tout si la prière n'a pas. Please have a close to the Lord.
pour Afrika. Fais-moi un pont rentrer comme ça, dimanche, on va chanter ensemble. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Le Dieu de la Bible, tu n'as pas changé, tu es oui. Alléluia. L'onction de Dieu est présente dans la salle. Oh, la main de Dieu est présente dans la salle. Le pendant que nous serons en train de notre disposition. Le Seigneur va te faire un peu disposé. L'onction de Dieu va te toucher. Zambe na ngai, afandi na kembo.